Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Éclosion. Aujourd'hui, nous allons faire la rencontre d'une jeune dame qui a bâti son activité génératrice de revenus autour de la fabrication des produits cosmétiques destinés aux soins de cheveux. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le plaisir de découvrir Didi Traoré. Suivez-moi. J'ai un niveau Bac plus 4 en Master Commerce International. Je suis dotée d'une licence en Marketing Commerce International également. Et je possède des diplômes, on va dire, en esthétique, coiffure et esthétique, mais je parle couramment anglais. L'histoire des cosmétiques, ça débute sur le banc de l'école, alors que j'étais encore à l'université. Et dans ces débuts-là, j'avais déjà les pieds, on va dire, dans l'esthétique, du fait que ma grande sœur a une école de formation en coiffure et en esthétique. Et c'est un peu par là que j'ai eu mon apprentissage et j'ai commencé à faire des soins d'abord de base d'entretien. Et après, vu la demande, la clientèle, je me suis un peu diversifiée pour que les produits puissent toucher, on va dire des problèmes assez spécifiques en fonction des problèmes de cheveux, parce qu'on parle bien sûr de produits cosmétiques. Il est vrai qu'au début, la famille, les amis sont un peu dubitatifs, mais surtout la famille. Parce qu'on se dit, on a beaucoup d'appréhension, on se dit que voilà, étant sur le banc de l'école, on a la possibilité de pouvoir explorer d'autres chemins, se construire une autre vie à travers d'autres métiers d'activité, comme par exemple devenir médecin, avocat, pourquoi pas. Donc de prime abord, ça a été mal pris. Mais après, je pense que j'ai su faire la différence entre les deux et les montrer que je pouvais suivre une formation professionnelle, donc suivre un cursus universitaire normal, tout en faisant ma passion qui est bien sûr la fabrication des cosmétiques. Donc c'est un peu ce rapport-là qu'il y a eu avec la famille, mais tous mes amis étaient contents parce que je veux dire qu'à cette période-là, ils me servaient un peu de cobaye, j'ai envie de le dire comme ça. C'est sur eux que je testais certains de mes produits, c'est sur eux que je faisais certains soins et c'est également sur eux que je faisais mon apprentissage. Donc c'est vrai qu'arrivé à un moment donné, mon parcours n'a pas été aussi facile que ça. Par rapport aux parents, la petite histoire, la petite anecdote que je pourrais un peu donner, c'est qu'arrivé à un moment donné, quand j'ai fini mon cursus universitaire et que je suis rentrée au Gabon, j'étais mitigée entre le désir de continuer dans ma lancée qui est ma passion, bien sûr les cosmétiques, et continuer le cursus universitaire. Ce qui fait qu'arrivé à un moment donné, les parents, donc mon papa a dû, on va dire, confisquer mon passeport pour m'empêcher de prendre un autre vol parce que simplement il se disait que oui, j'allais... Tellement je suis butée, on va le dire comme ça, j'allais pouvoir trouver un moyen de pouvoir voyager et retourner où je pouvais exercer pleinement ma passion. Thank you.
va dire que je fais dans la fabrication de tout ce qui est produits cosmétiques, capillaires, d'entretien, mais je me suis spécialisée dans ce qui concerne les maladies cutanées reliées au cuir chevelu. Donc on parle bien sûr d'alopécie, de calvitie et souvent de traction à l'utilisation de la colle, à la traction des tresses, et en tout cas pour résoudre tout ce type de problèmes liés aux cheveux. Donc c'est vrai qu'il y a une partie soins qui est très importante, mais dans mon travail ou bien dans les produits que je fabrique, j'ai un suivi assez personnalisé que j'offre, aux gens qui sollicitent, mon aide, bien sûr, pour résoudre leurs problèmes. Donc, on a différents produits comme, par exemple, cette huile-là, qui est une huile faite à base de THC, concentrée pour faire pousser les cheveux. On a cette huile-là qui est également une huile d'entretien spécialement pour cheveux nappis, dreadlocks, etc. C'est fait à base de poudre de chez B. Donc, comme on remarque bien en bas, on a le petit noir qui représente la poudre de chez B. Et entre autres, on a également cette crème de soins d'entretien capillaire qui permet d'entretenir vos cheveux de façon naturelle, que ce soit pour les enfants, les grandes personnes, etc. La composition de mes crèmes se fait avec des produits 100% naturels. Donc déjà, à la base, on a la poudre de chez B, qui est cette poudre-là. Alors, la poudre de chez B, pour la petite histoire, c'est un secret de beauté made in Tchad, parce qu'à la base, j'ai des origines ouest-africaines. Et étant gabonaise, bien sûr, le fait d'avoir des origines ouest-africaines m'a permis, dans ma curiosité, de me documenter et de me rendre compte que la poudre de chez B était un composant qui faisait pousser les cheveux vraiment très rapidement. À cela, on a également l'utilisation du beurre de karité, par exemple. Le beurre de karité, c'est un arbre qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest, mais également au Gabon. Donc, j'importe beaucoup mes produits et ce sont vraiment du made in bio. Parce qu'on a également, dans la composition de mes produits, on a également l'utilisation de la moelle de bœuf. Donc, qui dit moelle de bœuf dit forcément élevage. Et quand on parle de l'élevage, on parle bien sûr de tout ce qui est agriculture aux alentours. Et bien sûr, la contribution des agriculteurs et des éleveurs locaux rentre également dans le processus bio de fabrication de mes produits. Pour mes clients, je dirais que c'est d'abord les premières personnes qui m'entourent, qui ont su m'encourager et me donner la force de me lancer dans ce que je fais. Parce que c'est grâce à eux que j'ai réussi à tester l'efficacité de mes produits et c'est grâce à ces personnes-là que j'ai pu avoir les avantages et les inconvénients du lancement de mon produit. Parce que quand on parle de soins capillaires, on touche autant les femmes, les hommes que les enfants. J'entends par là que les enfants, on parle de l'entretien de cheveux de façon générale. Les femmes, là, on a deux volets. On a le côté réparation parce qu'on va dire que je m'occupe du cuir chevelure, de réparer d'abord le cuir chevelure avant de nourrir le cheveu. Parce qu'on ne peut pas avoir de poussée de cheveux sur une peau qui n'est pas saine. En tant que plus beau souvenir, je peux donner, j'ai en mémoire cette dame qui un jour est venue me voir, elle avait les larmes aux yeux et se plaignait d'avoir fait le tour de plusieurs salons, d'avoir dépensé énormément d'argent, mais de ne pas avoir eu des soins adéquats, bien sûr, par rapport à son cuir chevelure. Donc, au bout de trois mois de soins, vous imaginez un matin, la dame vous appelle et vous dit « Non, mais merci Didi, franchement, aujourd'hui, j'ai le courage de marcher sans perruque parce que mes cheveux, ils ont repoussé. Tu m'as accompagnée pendant cette aventure. C'était pas facile, il m'a fallu de la patience, mais aujourd'hui, on y est arrivé. » Parce qu'à la base, c'était un challenge qu'on s'était lancé, elle et moi,
avoir un cuir chevelu rempli au bout de 3 mois. Projet d'avenir. Il est important de se projeter, c'est vrai. Là, on a un stade où on débute, même si on est en plein lancement, c'est vrai. Pour les projets d'avenir, j'ai envie de dire, ce sera bien sûr peut-être l'ouverture ou la création de ma marque de cosmétiques à proprement dit, qui sera appelée pourquoi pas Black Atanga. Parce qu'il paraît que j'ai un beau noir et que j'ai un noir à tanga. Le conseil que je pourrais donner à tous les jeunes qui me suivent, c'est comme on dit en anglais, never give up, c'est-à-dire ne jamais baisser les bras. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour un début, généralement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est assez compliqué parce qu'il faut des fonds, il faut une organisation, il faut avoir des moyens de pouvoir concrétiser ce qu'on a en idée. Et franchement, le pas entre l'idée ou le rêve et la concrétisation est très, très grand. Donc moi, je vous conseillerais de croire à vos rêves, mais surtout commencer par rêver d'abord. Parce qu'avant de concrétiser quelque chose, il est important de pouvoir en rêver. Et après avoir, une fois qu'on a fini d'en rêver, on se projette en le réalisant. Donc à toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, ne baissez pas les bras, continuez. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est vrai, mais serrez les coudes parce que c'est pas aujourd'hui que ça va payer. C'est dans 2 ans, dans 3 ans qu'on dira oui, mais il a commencé par ça et aujourd'hui il a une structure. Donc le chemin est toujours long vers la réussite et il vous faudra beaucoup de courage. La crème coiffante est la base de la routine capillaire des cheveux. Elle scelle l'hydratation naturelle à l'intérieur de la fibre. Elle permet de lisser la chevelure et la rend plus maniable afin de faciliter la coiffure. Didi Traoré a décelé le besoin de sa clientèle et propose à cette dernière des produits naturels sans additifs chimiques. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de votre émission. N'oubliez pas le respect des gestes barrières, pensez à vous faire vacciner et surtout, portez votre bavette. Donnons-nous rendez-vous très prochainement dans un autre numéro, Éclosion.